mal, je le mec, on va le prendre. Ben. Non. Attends. On va s'arrêter ici. C'est le pays des chauves-souris. Oh super, j'étais jamais monté en handicap patable. Ah tiens non. Eh bien, j'imagine que t'es prêt pour l'expérience. On est tes amis. Mais on est des mecs sympas. Vraiment. Un mot de plus et je te coupe de sangsues. T'as pigé? Route. Combien de temps tiendrons-nous le coup, me demandais-je? Combien de temps avant que l'un de nous se mette à délirer, à bafouiller devant le gamin? Et que penserait-il alors? Ce désert, cette solitude avait été le dernier domicile connu de Charles Manson et sa bande. Ferait-il la soudure quand mon avocat se mettrait à hurler à propos des chauves-souris et avoir d'énormes remontas à attaquer la voiture? Dans ce cas, eh bien il suffisait de lui trancher la tête et de l'enterrer quelque part. Parce qu'on ne peut décemment pas le laisser s'enfuir. Parce qu'il nous dénoncerait illico à une agence de répression politique nazillonne qui nous traquerait comme des chiens. D'où j'ai suivi ça? Laisse seulement penser. Mais je parlais tout haut. M'a-t-il entendu? C'est rien, c'est juste qu'il admire la forme de ton crâne. Non merci. Je ferais peut-être mieux d'avoir une discussion avec ce jeune, me dis-je. Peut-être que si je lui explique ce qui se passe, ça l'apaisera. Alors, écoute, il y a une chose que tu devrais probablement comprendre. Tu m'entends bien? Parce que je veux que tu connaisses le background. Nous sommes sur une mission particulière, avec des risques énormes pour notre existence. Je suis docteur en journalisme. C'est très important de te dire putain, c'est une histoire vraie! Regarde où tu roules! Arrête pas! De route! Route, pistole, pas de route de mer! Nos vibrations tournaient allègres. Mais pourquoi? N'y avait-il pas de communication possible dans cette voiture? Nous étions-nous ravalés au rang de bêtes sauvages? Je veux que tu comprennes, le monsieur au volant, c'est mon avocat. Et non, une pauvre épave ramassée dans un bouge, hein? C'est un étranger. Il est probablement polynésien. T'es pas gênant, j'espère? T'es pas raciste? Oh, gênant. Je me disais aussi. Parce qu'en dépit de sa race, cet homme est extrêmement valable à mes yeux. Oh merde! J'avais oublié la bière, tu en veux? Ah. Un petit peu d'éther? Quoi? Ah, laisse-moi.